sont une génération qui a de grands espoirs, de grands rêves, de grands souhaits. Ils ont en eux la volonté et la croyance qui leur ont permis d'obtenir leur indépendance. Grâce à cette génération, l'Algérie se prépare à l'avenir. Les ressources naturelles abondantes du pays contribuent au développement des infrastructures. Le pays connaît de grands changements dans les secteurs de l'enseignement, de l'industrie, du commerce, du BTP. L'Algérie est sur le point, Inch'Allah, de devenir une grande et forte nation. À ce développement s'ajoute aujourd'hui une nouvelle force. Pour la première fois, un investissement privé a été réalisé dans le secteur du fer et de l'acier, fondement de la civilisation et source de développement. Cette force privée s'appelle Dostiali Algérie, industrie du fer et de l'acier. Ces infrastructures ont apporté à l'Algérie de nombreuses innovations. La première étape de cet investissement, dont le coût total est estimé à 750 millions de dollars, a été réalisée avec l'aide des Algériens en un temps record de 19 mois. Ainsi est apparue la première, l'unique et la plus grande usine privée de production d'acier liquide d'Algérie. 2000 personnes ont travaillé dans la construction de l'usine, réalisée sur un espace ouvert de 250 000 m² et bâti de 110 000 m². Avec le démarrage de la production de Dostiali Algérie, 1000 emplois directs et plus de 10 000 emplois indirects ont été créés. En utilisant 1 400 000 tonnes de ferraille par an, l'usine va valoriser toute la ferraille du pays de manière à contribuer, Inch'Allah, à l'économie algérienne. La ferraille qui arrive chaque jour à l'usine dans 300 camions est regroupée dans un espace de 60 000 m². Dostiali Algérie, qui a une capacité de production de 1 200 000 tonnes de fer et d'acier par an, a pour principale contribution de réduire la dépendance de l'Algérie au fer et acier étrangers. Dostiali Algérie, qui va répondre à un quart des besoins algériens en fer et acier, va permettre de conserver en Algérie les 1 milliard de dollars de dépenses d'importation. Dostiali Algérie, grâce aux technologies et standards de qualité qu'elle emploie, va contribuer à la formation pratique des ingénieurs algériens ainsi que des petites et moyennes entreprises algériennes. Les blocs d'acier réalisés en faisant fondre de la ferraille et en transformant en acier de haute qualité se transforment de le laminoir en rond à béton dont a besoin l'Algérie. Est ainsi produit du rond à béton de haute qualité, disposant de la flexibilité indispensable pour la construction. L'usine organisée pour assurer le changement de 25 camions en même temps a été construite de manière à pouvoir répondre rapidement et dans les délais aux demandes du marché algérien. En tant que structure industrielle, Dostiali Algérie illustre sa sensibilité à l'environnement avec les unités d'épuration de mise en pointe en place dans l'usine. Dans cette usine qui dispose d'unités d'épuration réalisées dans le respect des standards algériens et européens, les eaux usées sont épurées afin d'être à nouveau utilisées. Dostiali Algérie est une usine de production de fer et d'acier qui partage les mêmes croyances que l'Algérie. Qui est heureuse lorsque l'Algérie est heureuse? Qui est fière de la réussite de l'Algérie? Qui essaie d'apporter sa contribution, petite soit-elle, au développement de l'Algérie? C'est une société qui souhaite, Inch'Allah, avoir un rôle dans la construction de l'Algérie. Dostiali Algérie, le fer de l'Algérie.